C'est David contre Goliath. David, c'est cette pizzeria familiale. Goliath, cette enseigne de grande distribution. Été 2008, le supermarché décide de s'agrandir. Pour ce faire, il a besoin de l'espace occupé par des commerçants sur le parking. Leclerc leur propose alors un local dans la galerie marchande. Tous acceptent, sauf Primavera. Pour cette petite entreprise, cela représente une augmentation de loyer de près de 1000 euros. Sans compter les travaux à faire, montant 15 000 euros. Une somme certes pas négligeable, mais que les gérants auraient été prêt à débourser si tout ceci avait été fait avec concertation, ce qui n'a pas empêché les travaux de débuter. Pendant les travaux, on nous a résilié notre contrat EDF, on nous a coupé l'eau, on nous a coupé l'électricité, donc on n'avait plus de téléphone pour travailler, on fait de la livraison, donc les gens ont besoin de nous appeler pour commander. Donc il y a eu une atteinte à notre commerce et en même temps une atteinte à notre propre sécurité, vu qu'on a démoli les locaux qui étaient mitoyens aux nôtres. En même temps, on était à l'intérieur, sans nous prévenir. Donc la pizzeria tremblait de partout, ça menaçait de s'effondrer à tout moment. Doua ne compte pas lâcher prise pour le principe, mais aussi en mémoire de son père qui a repris cette affaire en 1998 et qui est décédé cet été. Contacter la direction du Leclerc n'était pas disponible dans la journée pour répondre à une interview.